Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 17 février 2019 et je souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont visionné mes deux dernières vidéos sur mes réactions au débat entre M. Asselineau et M. Chouard. Tous les commentaires qui ont été faits, toutes les suggestions de liens, les pistes de réflexion, il y a vraiment un dialogue qui s'est instauré entre nous grâce à vous et je tiens donc à remercier chacune et chacun d'entre vous pour ces innombrables retours qui ont nourri ma réflexion et auxquels je souhaiterais apporter peut-être des éléments de réponse, si vous me permettez. Donc d'abord et avant tout, merci, super, merci à tous pour ce dialogue entre nous. Merci. Je tiens tout particulièrement à remercier Abdel, qui s'est fendu d'une vidéo pour me répondre carrément. Donc Abdel, super, merci beaucoup. Je t'ai promis une réponse. Elle a un peu tardé parce que la semaine, etc., occupé. Mais voilà, ça y est, je m'y mets. Et donc je mets la vidéo d'Abdel en lien de la description de cette vidéo. Je vous conseille avant toute chose de faire pause de cette vidéo aussi et d'aller voir la vidéo d'Abdel pour savoir un peu quel est le dialogue qu'il a instauré entre lui et moi, pour que vous puissiez comprendre les réponses aussi que je vais essayer d'apporter. Voilà, donc je commence. Donc j'ai noté là pour être, parce que j'ai bien pris en compte toutes les critiques qui m'ont été faites quant à ma façon de m'exprimer. Ça part dans tous les sens, c'est confus, c'est difficile à regarder, j'en ai conscience. C'était une prise de parole libre, c'est-à-dire en réaction sans avoir véritablement préparé quoi que ce soit. Là, pour éviter trop de digressions et que ça soit compliqué à comprendre et confus, j'ai noté. Donc ça risque d'être beaucoup plus mécanique, moins naturel, mais peut-être, j'espère en tout cas, plus clair. Donc je commence ma réponse à Abdel, puis ensuite aux autres personnes. Donc j'ai noté « L'Union européenne transgresse elle-même ses propres traités quand ça l'arrange. Ne soyons donc pas plus royalistes que le roi. » Donc je marque trois liens que je mettrai dans la description. Un lien de attaque, qui résume en fait le deuxième lien qui est le bulletin de l'Observatoire des politiques économiques en Europe, et ensuite un troisième lien vers un site qui s'appelle l'Observatoire de l'Europe, qui est un forum d'universitaires, journalistes et fonctionnaires pour le moins critique à l'Union européenne. Et donc trois liens pour montrer en fait que l'Union européenne n'a pas hésité à transgresser ses propres traités. Alors j'ai marqué « L'Union européenne a violé ses propres traités en venant au secours des banques lors de la crise de 2009, ce qui est formellement interdit par les traités. » Et aussi, la deuxième transgression, c'est lorsque la BCE, pour éviter l'implosion de la monnaie européenne, a continué de racheter les bons pourris de l'État grec pour lui éviter de faire faillite, ce qui n'est pas dans son mandat, dans le mandat de la BCE. Donc si l'Union européenne transgresse elle-même ses propres traités quand ça l'arrange, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Et donc, on est du coup légitime, nous aussi, à les transgresser, surtout quand il y a eu référendum et qu'on a dit non. Je reviendrai là-dessus. Et d'ailleurs, c'est le point suivant. Donc, Abdel, dans la vidéo, tu dis que le référendum de 2005 était en fait consultatif et non pas décisionnel. Donc, je suis allé chercher l'information officielle que je mets en lien. Donc, c'est le site du Conseil constitutionnel, c'est tout à fait officiel. Et donc, il est dit, dans la rubrique G, les effets du référendum, la question est posée, question numéro 1, quels sont les effets du référendum ? Est-il demandé aux électeurs un simple avis, entre parenthèses, référendum consultatif ou décisionnel, entre parenthèses, ou une décision, pardon, entre parenthèses, référendum décisionnel. Le Conseil constitutionnel répond, le référendum national a toujours une portée décisionnelle. Donc en 2005, quand le peuple s'est prononcé contre le TCE, qui est devenu par la suite le traité de Lisbonne, en fait, c'était pas consultatif, c'était décisionnel. Sur la légitimité, comme je le dis dans l'une des deux vidéos, en réaction au débat entre M. Asselineau et M. Chouard, dénoncer le TCE ou le traité de Lisbonne n'est pas illégal au regard de l'anticonstitution dont il faut pourtant se débarrasser, puisque la souveraineté du peuple s'exprime par la voie représentative et la voie référendaire. Donc oui, M. Sarkozy avait la légitimité du vote si l'on accepte le système antidémocratique actuel, et donc a pu ratifier le traité après soi-disant modification. Pourtant, l'étude du nouveau document ne montre aucun réel changement. Je crois que c'est M. Chouard qui dit qu'en rentrant le document sur le logiciel Excel, faisant une recherche lexicale, en fait, tous les mots y sont simplement dans des ordres différents, mais rien n'a été réellement changé en réalité. Nous faisons face à la question qui a la légitimité en fin de compte quand les voix de la représentation et du référendum sont en opposition. M. Sarkozy aurait dû refaire passer le nouveau traité au vote des Français, surtout qu'il n'avait pas été élu pour sa ratification. D'accord, ce n'était pas dans le programme de M. Sarkozy. Et puisqu'il y a eu un rejet lors du référendum que le vote, que la réponse était décisionnelle, il a soi-disant changé, il aurait dû le faire passer s'il avait été honnête. Il n'était pas obligé, mais se pose quand même la question de qui est-ce qui véritablement incarne la souveraineté en dernier recours. Mais tout cela, c'est accepter le système oligarchique dans lequel nous vivons. Alors que si l'on est d'accord avec les analyses de M. Chouard, nous ne sommes pas en démocratie. Donc la légitimité et représentativité d'un président
l'autorité qu'il a ou n'a pas pour ratifier un traité est in fine, donc la validité de ce traité semble pour le moins questionnable. D'accord, si on dit qu'on n'est pas dans une démocratie, alors M. Sarkozy n'avait pas la légitimité de ratifier ce traité. Ou pour le dire plus simplement, ce traité n'est valable que si l'on accepte ce système antidémocratique actuel. Et donc je dis, être légaliste, oui, mais être légaliste de loi antidémocratique, je pose la question. Ensuite, un autre point. Par rapport à la comparaison avec le cas anglais et la protection supposée de l'article 50, il me semble que c'est une erreur de penser que si nous respectons les lois de cette antidémocratie qu'est l'Union européenne, en passant par l'article 50, nous ne subirons pas le même traitement que la Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne actuelle sait pertinemment que si un acteur aussi important économiquement et politiquement que la France venait à sortir de l'Union européenne, d'autres le suivraient bientôt. C'est d'ailleurs un discours tenu par l'UPR. Donc, malgré la légalité de ce dispositif, l'article 50, ils trouveront tous les subterfuges possibles pour empêcher, ralentir ou rendre lourd de conséquences une telle procédure. Même si c'est article 50. Je ne dis pas qu'il ne serait pas possible de sortir de l'Union européenne. Je sais que c'est possible. Je dis que cela soit par référendum comme en Angleterre, par l'article 50 comme le propose l'UPR, ou d'une façon unilatérale, l'Union européenne fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre des obstacles en espérant décourager et, idéalement, faire renoncer à l'idée de sortie. Il y a deux stratégies. L'UPR propose la sortie de l'Union européenne par l'article 50. La France insoumise propose la stratégie du plan A, plan B. Plan A, on renégocie, ça marche super, on reste dans l'Union européenne transformée. Ça marche pas, on sort. Dans ce cas-là, on peut passer par l'article 50. Donc reprendre l'idée de l'UPR. Mais même si on faisait ça, l'Union européenne fera tout ce qui est en son pouvoir, et même de façon illégale, puisqu'elle a déjà transgressé les règles au préalable, donc on peut le supposer. Au final, Abdel, je note quand même que dans ton esprit, il y a un délai, entre parenthèses, une négociation, avant la décision d'en passer par l'article 50, de ce que tu dis dans ta vidéo. J'ai bien conscience que tu le précises toi-même, que ce n'est pas une position officielle et que c'est juste ton point de vue de sympathisant de l'UPR. Mais tout de même, j'ai l'impression que tu envisages quand même un délai de, je ne sais pas si c'est une négociation, mais un délai avant de passer par l'article 50. Donc ça revient à la position de la France insoumise, me semble-t-il. Et donc je marque, ça rejoint l'idée de la stratégie plan A, plan B. Si tu veux, je t'accorde que si le plan A ne fonctionne pas et que le plan B s'enclenche, alors on peut passer par l'article 50. Ensuite, sur le franc, je mets dans la description trois liens sur les plans que M. Varoufakis, à l'époque où il était le ministre de l'économie de la Grèce, avait échafaudé pour éviter la problématique de la restriction de la monnaie, pour empêcher l'asphyxie monétaire de l'État grec. Comme je le dis dans l'une des deux vidéos en réaction, la France est la première émettrice de la devise euro. Elle peut donc faire peser cet atout dans la négociation d'un changement de cap, ou le cas échéant, imprimer sa propre monnaie, par exemple, par l'ajout rapide et donc quasi immédiat d'un différenciant qui transformerait l'euro en euro-franc, le temps de remettre le franc en place. Sur la sortie de l'Union européenne, d'abord il me semble aujourd'hui encore, et malgré les nombreuses critiques qui lui sont faites, une majorité de Français reste attachée à l'idée de l'Union européenne. Peut-être est-ce là une des raisons pour laquelle l'UPR ne rencontre pas l'adhésion qu'elle attend. Évidemment, je sais que la première cause c'est l'invisibilité, et en même temps le matraquage sur les bienfaits de l'Europe et les risques d'en sortir. Mais tout de même, cette idée, qui est un symbole universaliste, fédérateur, humaniste, entre parenthèses, même si actuellement il est perverti, fermez la parenthèse, séduit encore le plus grand nombre, me semble-t-il. Tu pourrais me dire, de moins en moins, je te l'accorde. Et donc, l'idée d'une autre Union européenne attire plus qu'une sortie sèche. C'est là, à mon avis, que le point fondamental de désaccord, par exemple, entre les sympathisants de l'UPR et ceux de la France insoumise, se fonde. Quel est le but ? Est-ce que la majorité des Français veulent simplement sortir de l'Union européenne pour retrouver une souveraineté nationale ? Je reviendrai à pourquoi est-ce que je mets des guillemets au terme de souveraineté nationale. Ou est-ce que la majorité adhère toujours à l'idée d'Union européenne, mais rejette, ou tout du moins est très critique de l'actuel ? Ne pas se poser cette question est problématique, me semble-t-il. Nous faisons le même constat sur l'antidémocratie de cette Union européenne-là. L'UPR argumente qu'elle n'est pas réformable, quand la France insoumise, qui pense qu'une majorité de Français adhère encore à l'idée d'union, dit que personne n'a essayé en réalité. Une autre différence entre l'UPR et la France insoumise, c'est la question de la Constitution, et donc in fine de la souveraineté en réalité. Monsieur Asselineau pense qu'en appliquant véritablement la Constitution actuelle, et non pas en la trahissant comme fait Monsieur Macron, plus en y rajoutant le RIC, mais pas en toute matière, les Français retrouveront la souveraineté. La France insoumise, de son côté, propose d'en finir avec la 5ème République par la réécriture de la Constitution par une assemblée constituante, notamment tirée au sort, afin de redéfinir les règles de la souveraineté. Monsieur Mélenchon a déclaré que si la nouvelle Constitution n'envisageait plus
l'existence du poste de président, il s'en irait avant la fin du mandat. Bien sûr, certains pourront argumenter qu'il peut mentir, mais cet argument est valable pour tous les candidats. La diversité des électeurs de la France insoumise, et je pense par exemple à Madame Manon Aubry, ne manquerait pas de dénoncer et de s'opposer à une éventuelle traîtrise, ainsi bien évidemment que le peuple plus largement. Voilà Abdel les réponses que je t'ai faites. J'ai conscience qu'en les lisant comme ça, ça fait beaucoup moins naturel. J'espère qu'elles seront des pistes de recherche et de réflexion pour toi. Tu peux me faire tes commentaires si tu veux me refaire une autre vidéo, si tu veux m'inviter à un dialogue en direct sur Skype ou... J'ai pas Facebook, mais sur d'autres moyens comme ça. Je suis tout à fait ouvert au dialogue. On peut l'enregistrer pour que ça soit public pour tout le monde. Voilà en tout cas quelles étaient mes réponses pour toi.